Das Eichela, als nächstes Frau Kollegin Vergia für eine Minute. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, depuis 2007, les atteintes aux droits de l'homme ne cessent de s'aggraver au Mexique. Selon les ONG et les médias mexicains, plus de 6500 homicides imputables au cartel de la drogue ont été recensés pour la seule année 2009, dont l'immense majorité ont eu lieu dans l'État de Chihuahua. Le gouvernement du président Calderón a envoyé des milliers de soldats dans les zones les plus touchées. Depuis lors, les exactions commises tant par ces forces militaires que par les forces de police se multiplient en toute impunité. Les ONG multiplient les rapports et parlent de crimes d'État. Les journalistes, les populations indigènes et notamment les femmes indigènes ou non sont particulièrement touchées. J'ai rencontré certaines d'entre elles venant de San Salvador Atenco, violées et torturées par les forces de police. Et j'ai été atterrée par ce qu'elles m'ont raconté. Les auteurs de ces actes commis en mai 2006 jouissent toujours d'une totale impunité. Nous ne pouvons donc partager les préoccupations des autorités mexicaines dont les agents violent régulièrement les droits de l'homme. Nous ne nous associerons donc pas à la résolution commune et déposerons des Vielen Dank, Frau Kollegin Vergia. Als nächstes für eineinhalb Minuten Frau Kollegin Lochbieler. Danke, Herr Vorsitzender. Die Bilder brutaler Gewaltanwendung auf offener Straße im sogenannten Drogenkampf in Mexiko erreichen uns regelmäßig über die Massenmedien. Die hundertfachen Frauenmorde an